Très beau local. Eh bien, la marque Make Up Forever, qui n'est pas une marque spécifique, parce qu'il n'y a pas que des produits pour peau noire, hein, il y a des produits pour toutes les ethnies d'ailleurs. Je pense que les produits ethniques qui ont été mis dans la gamme depuis 1984, c'est-à-dire la naissance de la gamme, sont les produits pour peau noire. Et pourquoi? Je peux te le dire. C'est que lorsque j'ai ouvert cette boutique en 1984, et lorsque la marque est née, je travaillais moi-même beaucoup au théâtre et dans le spectacle. Et à cette époque, et encore maintenant d'ailleurs, les gens du spectacle étaient très ethniques, peau noire ou pas, mais très très ethniques. Et lorsque j'ai voulu faire cette gamme, lorsque j'ai créé les premiers produits, pour moi c'était évident que je faisais des produits pour les peaux très blanches, allant jusqu'aux peaux ébène, puisqu'il y avait des danseurs, des mannequins. C'est vraiment la gamme pro, mais que vraiment professionnelle. Mais il y a aussi, à cause du climat, il y a beaucoup de produits à Make Up Forever qui sont waterproof, qui sont d'une stabilité incomparable, hein, puisqu'on travaille beaucoup avec les balais aquatiques, tous ces professionnels qui ont besoin de produits extrêmement résistants à l'eau. Et c'est vrai qu'avec le climat, les textures de peau aussi, hein, maintenant ça va mieux, mais il y a quelques années, les petites taches, les peaux grasses, qui sont le propre aussi des Antilles. Donc les produits un peu couvrants, les produits de camouflage, les produits waterproof, tu vois. On rejoint un peu tous les pôles qui sont nécessaires dans ce pays, la stabilité, le sérieux caché, la mode, le brillant, le doré, voilà. C'est vraiment tout ça qui est aux Antilles. Ben, je pense que si je n'avais pas été peintre, je ne serais jamais devenue maquilleuse. J'ai découvert le maquillage, je n'ai jamais appris à maquiller, je suis complètement autodidacte. J'apprends aux autres maintenant, mais moi je n'ai jamais appris. Et pour moi c'était facile de peindre sur des toiles. Après je me suis retrouvée devant quelqu'un, je me suis dit tiens je vais te peindre aussi. J'ai pensé Guadeloupe, j'ai pensé Guadeloupe, j'ai pensé Mélissa. Et je me suis dit que je pouvais joindre l'utile à l'agréable. Et voilà pourquoi je suis venue à la Guadeloupe. Non mais c'est évident que la Guadeloupe, d'abord je ne reste qu'une semaine donc je ne vais pas voir grand chose, mais c'est bien parce que j'étais très fatiguée et c'est parfait. Mais ce dont je veux me souvenir c'est aujourd'hui, enfin, c'est Mélissa, c'est tout ça parce que je ne l'avais pas vue. Mais j'ai vu d'anciennes élèves à moi, les filles qui maquillent. C'est ce jour-là bien sûr qui restera symbolique. Hein.